Vous le savez, les rêves, ça nous transforme. Et je vois aujourd'hui aussi comment tous les rêves que j'ai eus, tous les rêves, les cauchemars, comment ça m'a amené à devenir une meilleure personne aujourd'hui. Comment toutes ces choses qu'on expérimente, qu'on vit la nuit, ouvrent notre potentiel, nos multidimensions. Et on parle de multidimensions, de multifacettes, à travers chaque symbole qui est connecté à une mémoire, à une émotion, qui va prendre un sens particulier en fonction des symboles qui lui sont associés. Et ça, ça nous construit en termes d'identité profonde, en termes de connaissances spirituelles aussi et matérielles de notre manifestation, de notre capacité à se construire soi-même, mais aussi à construire dans la vie. Donc c'est tout un cheminement qu'on effectue en soi la nuit, et parfois, voilà, quand on chemine sur soi, quand on écrit nos rêves, etc., on pourrait avoir tendance à, voilà, éventuellement, peut-être vous commencez à normaliser, à rentrer dans une forme de routine et à perdre de vue l'extraordinaire qu'il y a en vous.